Je suis prêt pour mon premier pancake. J'ai eu mon code. Hello les gars, comment ça va bien? Alors que je vous explique un petit peu, la semaine où je décide de faire un weekly vlog, mon kid tombe malade. Donc lundi et mardi, il est resté avec moi bien au chaud à la maison. Mais j'ai quand même pu prendre quelques plans et après cette big intro, il est temps maintenant de laisser place à ce weekly vlog numéro 2. Mercredi quoi, j'ai quasiment pas pris la caméra de la semaine. Oh là là, par contre cette coupe de cheveux je peux. Une frange rideau c'est bien, faire une queue avec une frange rideau, ah bien, regardez-moi ça. Et là je filme, ça va être une qualité de merde. Parce que je filme avec mon téléphone, parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra. Mais j'ai pas anticipé, donc du coup j'ai dû rester avec lui lundi et mardi. Et là il est 6h50 du matin, d'où ma gueule encore, voilà, c'est normal. Je me dépêche d'aller faire son petit déj et tout, et je passe mon permis. Alors déjà, les gars, j'y vais, mais je sais pas. En fait, quand tu prends un rendez-vous en ligne, tu prends un rendez-vous. Mais un rendez-vous pourquoi? Je sais pas. C'est juste que j'ai un rendez-vous à 8h40, mais je sais pas pourquoi. Ici, tu peux passer le permis. En fait, ici, dans l'état de l'Illinois, ton permis de ton pays, il est valable 3 mois. Et tu dois repasser le permis. Pourquoi je parle avec mes mains? Pose-les. T'as un test écrit et un test de conduite. Ici, tu peux passer le test écrit et le test de conduite le même jour. Bon, qu'est-ce qu'on se disait, les gars, du coup, là, avant que ça coupe? J'ai repris ma caméra, là. Pas déjà mieux? C'est mieux. J'ai mangé un bon petit pain au chocolat, là, pour me motiver, là. 6 balles le pain au chocolat, ça... Oh, je vois que c'est pas moi qui paye, hein. Jamais je pourrais payer un 6 balles un petit pain au chocolat, ok? Jamais. J'espère que vous, ça va. Demain, c'est Thanksgiving. Et il faut que j'aille faire aussi des courses après. Parce qu'en plus, je vous ai jamais montré Whole Foods, ce qui pourrait être sympa. Parce que Whole Foods... Bah, bah, bah. Grand frère à côté, pipi de chat. 2 hours later. Take this, haters. Don't kill me. Les gars, j'ai eu mon code. Du coup c'était que le code aujourd'hui. Je vais vous expliquer un truc là. Je peux choisir la langue pour le test. Donc j'ai choisi français quand même. J'allais pas mettre une balle dans le pied non plus, hein. Déjà c'est de 1, c'est hyper facile de tricher. Mais bon, j'ai pas fait. Il faut 28 bonnes réponses. En fait, une fois que t'as atteint les 28 bonnes réponses, truc il s'arrête. Tu vas pas jusqu'au 35. Tu répondras à quoi? 30 questions. Faut faire les courses avant de rentrer à la maison. Faire ma mousse au chocolat. Vous allez pousser le caddie avec moi là. Tout est rangé tel un musée. Ah oui, aussi ici mettre le lait au frais. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Le magasin, il coûte la peau des fesses, genre. Une salade ici, c'est 16$. 16$. Là, c'est le mois du peppermint, là. Si on devait faire un top 3 des combos les plus dégueulasses, menthe chocolat. Voilà, qui mange le combo menthe chocolat? Après, il y a cookie and cream. Qui mange ça encore, là? Les oreos, là, dégueulasse. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre comme combo de merde? Enfin, non, en fait, c'est les deux. Ces chips, là. C'est genre des chips de blanc d'œuf. Trop cher, mais. Excusez-moi, faut aussi qu'on parle du pop-corn, quoi. Ici, le pop-corn sucré, ça n'existe pas. Cheddar, salé, cheddar. Si vous voulez du caramel, il faut prendre un mix cheddar-caramel. Si vous voulez du sucré, il faut aussi qu'il y ait du salé dedans. Et alors ici, les gars, regardez ce qu'il y a pour les caddies. Mais non, mais attendez, mais c'est magique. Et en fait, toi, t'es là et tu restes à côté de ton caddie qui descend tout seul. Non, mais... Et après, tu récupères ton caddie. Bon, débriefing des courses, j'ai de quoi faire ma mousse au chocolat, j'ai refait le stock de peanut butter, de fromage blanc, de flocons d'avoine, j'ai forcément acheté ma protéine pour la semaine, quoi faire mes cafés, donc des laits et des creamers, des chips de blanc d'œuf et un peu de glace avec de la cookie dough et des barres protéinées. Tout ça pour 108$. 108$. Alors oui, j'ai un maquillage glowy, mais c'est pas que le glowy actuellement en fait qu'on a là. C'était une journée productive aujourd'hui. De 1, j'ai passé le permis, enfin, j'ai passé le code, je l'ai eu. De 2, j'ai travaillé quoi les gars. J'ai trouvé le seul enfant qui ne sait... Pff, non en fait, c'est pas le seul malheureusement. J'ai pas s'amuser tout seul. Là, je peux pas l'occuper en continu pendant 10 heures, ce n'est pas possible en fait. Il a voulu cuisiner, donc je lui ai appris à faire des pâtes à la sauce tomate avec des tomates, de l'huile d'olive et tout ça. Il était super content, donc voilà. On a fait un puzzle, on a commencé un puzzle de 1000 pièces. On a fait une mousse au chocolat parce que demain c'est Thanksgiving. On a
a fait une dictée en français. Oh les gars, on a fait des jeux de société. On a lu. Il est 17h donc j'ai pas encore fini ma journée. Là, je fais juste une pause de 5 minutes avec vous. Et j'ai aussi tourné la vidéo de la semaine dernière sur mon petit update de ma vie. Si vous avez pas vu la vidéo sur mon update de mes 3 mois ici, allez la checker. Il faut que je range ma chambre là, regardez. Non mais attendez là. J'ai honte. Genre, il y a des billets de partout, il y a des trucs au sol, je sais même pas ce que c'est. Demain matin, je me réveille. Première chose que je fais, je range ma maison. Ben c'est tout, hein. Voilà, j'ai eu ma petite pause de 5 minutes. Je retourne voir mon humain préféré. Toi, mon papa. Ok, bon là, il est l'heure quand même d'aller se démaquiller, d'aller se laver vite fait, d'aller se mettre en pyjama. Ah putain, ma gueule les gars, je peux plus là. En fait en ce moment il y a la maman de mon host-dad. La vie à la maison en ce moment c'est tellement chaleureux. Forcément on est 5, donc là il y a plus de monde à la maison. Donc ça va dans tous les sens, tout le monde parle. Genre ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas pris un apéro avec ma famille par exemple, genre un verre de vin. Et là on a pris un verre de vin tous ensemble. Genre c'était trop bien. J'avais besoin de ça en ce moment, genre de sentir un peu la vibe famille. On pourra jamais arriver au stade de ma famille où ça crie de partout, mais vraiment. Tu sors d'une réunion avec ma famille, un mal de crâne pour 10 jours. Dans 2 heures, les gens ils sont là. On va essayer de ressembler à quelque chose. Ça fait genre 4 jours que j'ai encore les cheveux attachés tellement j'ai les cheveux gras. Donc là, ça y est. Lavage de cheveux, maquillage, outfit. En vrai, j'ai la flemme. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Thanksgiving. Parce que bon, en vrai, on ne sait pas ce que c'est Thanksgiving, right? Je vais vous faire un petit instant histoire. Que commémore-t-on pendant Thanksgiving? Thanksgiving Day signifie le jour de l'action de grâce, qui est fêté le 4e jeudi novembre aux États-Unis et le 2e lundi d'octobre au Canada. Alors est-ce que vous le saviez ça? Que ça se fêtait aussi au Canada, vous ne savez pas du tout. Donc célèbre autour d'une dinde, cette tradition instaurée au 17e siècle, dont les origines remonteraient aux pèlerins fondateurs de la colonie. Que commémore-t-on? En 1621, première fois qu'on a fêté Thanksgiving par les colons qui souhaitaient célébrer leur première récolte aux États-Unis par une journée de grâce. À l'initiative du président d'Abraham Lincoln, le Thanksgiving Day devient une fête nationale en 1863. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour que je m'arrête là parce qu'elle est pas Stéphane Bern pour un sourdine. Hein. Go se préparer et de ressembler à quelque chose. J'ai un bouton. Oh. Est-ce que c'est une bonne idée de toucher à ses boutons avant comme ça? Non, certainement pas mal. Pourquoi quand on commence à toucher à ses boutons, on sait pas s'arrêter non plus ça? Pourquoi quand on commence à commencer? Qu'est-ce qu'elle raconte la Zina? Qu'est-ce qu'elle bave? Oh là, j'ai envie de me tarter tellement fort. Je suis prête pour mon premier Thanksgiving. Voilà, j'ai juste mis une jupe, un blazer et un petit maillot coloré. J'ai l'impression de pas me reconnaître du coup par rapport à comment j'ai été tout à l'heure. Let's go pour Thanksgiving 2022. Oh les gars, on se retrouve... Oh my god. J'essaie de faire de la lumière sur ma gueule, mais meuf, vaut mieux pas le flash de ton téléphone en fait. Alors on va essayer d'allumer la lumière là. Ah, c'est meilleur. Thanksgiving, les gars, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Parce que oui, j'ai encore une acolyte ce soir. On a scale 0 to 10. How was your Thanksgiving with my family? In general, 9, because I was kicked out of my house. Alors en fait, je vous explique, parce que cette madame là, elle a passé Thanksgiving avec nous, elle a été mise dehors. You were like kicked out from your house, you know? Donc, elle va rester avec moi une semaine. Si, ok, si on prend vraiment Thanksgiving, parce que c'est notre premier, 8 for me. Like, it was super fast, you know? Yeah. Ce qu'on a mangé,
On a mangé, c'était des trucs de fou. C'était genre des patates douces avec genre des noix caramélisées sur le dessus. Il y avait de la farce, de stuffy, du pain avec de la saucisse, du beurre, plein de trucs mis au four. Les gars, incroyable. La dinde qui était super bonne, qui était restée genre 48 heures dans un bain de lait de beurre. Big salade avec genre des grenades dedans. The food was really good. I drank wine. Yeah. Elle a mangé le fromage. Yeah. Elle a mangé pour la première fois de sa vie du brie. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que ma host family, elle est incroyable parce que j'ai demandé si Maria pouvait venir du coup pour Thanksgiving. Ils ont dit en 2 secondes oui. Et les gars, j'ai fait de la mousse au chocolat. Chocolat de mousse. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat. You try to speak Portuguese. You say mousse de chocolate. Mousse de chocolate. Oh, she's good. Okay. J'ai l'impression que j'ai jeté un sort à ma mousse au chocolat là. Les gens, ils étaient fous avec ma mousse. Et j'ai fait genre 12 œufs, 500 grammes de chocolat noir. Les gens, ils ont tout mangé, j'en peux plus. Du coup, il y avait de la pumpkin pie, il y avait de l'apple pie. Et les gens disaient, le dessert favori, c'est la mousse au chocolat. Sorry les gars, mais la French touch, I mean. Bonne nuit. À demain. À demain. A commencé plutôt chill à me promener avec mes expatriés préférés. Le lendemain du Black Friday, c'est le Smart Business Saturday. Ça veut dire qu'en fait, dédié aux petites boutiques pour pouvoir les soutenir. Donc on a fait un petit peu les boutiques, on a chanté. On a pris des petits cafés. Et ma journée s'est terminée avec, ben, comme d'habitude, exporter ma petite vidéo pour YouTube et regarder un petit film de Noël avec Maria. Une plaie à chaque fois qu'elle voit un chat, c'est horrible. Reste loin de moi. Juste le récupérer. Don't zoom to me. I am not zooming you. Avec Claire et Maria qui est juste derrière la caméra. On va tester tous les snacks les plus bizarres américains. Voir si on aime ou pas. Voilà. That's it. Ok. That's it. Feedback. Ok les gars, Black Friday qui continue ici. Et du coup j'avais vu ce manteau et genre il était à 150 balles et maintenant il est à 65 euros. C'est une bonne excuse pour l'acheter, non? Alors, il est gros. Maman, il y a une capuche, donc j'ai pas d'excuse parce qu'il y a une capuche. Et il y a même des petits trucs comme ça à la fin des mains. Regardez-moi l'acheter. Sinon, aujourd'hui, ben, c'est un Sunday plutôt chill. J'étais faire les magasins, là, vous avez vu, là. En fait, les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai beaucoup dépensé. Là, ces derniers temps, je dépensais plus trop, donc forcément, j'avais beaucoup d'argent sur mes comptes et je me suis fait un peu plaisir. Et franchement, ça valait le coup. Les gars, à partir 12 jours après avoir commandé ces colis, si vous me suivez sur Instagram, vous savez pas reçu tous mes colis. Je ne peux pas vous montrer ce que j'ai acheté pour l'instant parce que je veux attendre tout en fait. Je vous montrerai dans le prochain vlog tout ce que j'ai acheté parce que j'espère que d'ici 2 semaines j'aurai quand même reçu tout ce que j'ai commandé en fait. Il y a genre 12 jours, quasiment 2 semaines. Du coup vous verrez le haul de du Black Friday dans le prochain vlog. Yeah, je suis au paradis de hugs. Trouver mes hugs. Est-ce que j'ai pas trouvé mes hugs? Est-ce que j'ai bien zoomé sur ma gueule? Enfin, parce que c'est en rupture de stock partout ici. J'ai vu ceux-là aussi en marron. Celle-là, elles sont tellement belles. Alors ça c'est nous, c'est que dès qu'on voit un truc beau, on s'arrête au restaurant, il a l'air super beau. En fait c'est un resto, le concept c'est où les serveurs ils sont méchants et ils sont pas gentils. Elles nous gardent dessus depuis tout le temps. Un peu confuse. Est-ce qu'on a encore eu l'idée d'aller au photomaton? Les gars,
je suis un peu en traumatisation. Elles connaissent pas petit Papa Noël. Bah, je pensais que c'était universel. Elles vont goûter le petit chocolat chaud belge. Good. Je viens de rentrer. Je vais vous montrer mon sapin de Noël la nuit. Attention. Ils ont une tradition entre Thanksgiving jusqu'à Noël. Ils ont un petit elfe qui se cache partout pour genre vérifier pour le Père Noël tout se passe bien. Donc l'elfe de mon kid, c'est Elfie. Et donc tous les soirs, il faut le bouger de place. Et donc là, on l'a bougé de place. Maintenant, Elfie. Les gars, c'est à nouveau sans transition que après avoir caché Elfie, posé dans mon lit parce que je suis tellement fatiguée. Cette journée, c'était genre un condensé de tout ce que j'aime faire, mais en même temps, le truc le plus épuisant. Et pour un dimanche, c'était un peu trop. Ça fait 2 semaines que je me suis pas réveillée à 6h du matin. Ça va piquer. Donc là, comme d'habitude, go finir ma semaine. Et donc ce vlog sur du football américain, quoi, parce que c'est comme ça que je termine mon week-end. Tous les dimanches, quasiment. Donc là, c'est les Packers, d'ailleurs. Contre les Eagles de Philadelphie. Sur ce, les gars, je vous dis bonne nuit. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis ben, ce soir, avant d'aller dormir, n'oubliez pas de finir votre journée sur un truc positif. Allez, on se voit la semaine prochaine. Des kisses.